C'est toujours un plaisir chaque fois pour nous rentrer la caille nous pour présenter un nouveau numéro au point magazine ça je nous connais là et bien qui commenter et puis analyser l'actualité avec invité. Jeudi dans le numéro ça nous gagne avec nous professeur Roger Petit Frère historien qui on l'autre fois encore pour réaliser un numéro parce que c'est pas première participation professeur dans magazine au point. Avec lui, nous pouvons aller faire quelques considérations plutôt historiques sur le 6-7-8 juillet, parce que apparemment, semblait nous pouvons comprendre ce qui s'est passé, ou bien nous faire semblant de ne pas comprendre. Nous allons tourner à l'heure, à propos de ça. Une autre fois encore, bonsoir à tout le monde. Et bien, avec nous aujourd'hui, le professeur Roger Petit Frère. Professeur Petit Frère, son plaisir pour nous gagner encore sur le plateau en point. Oh, moi-même tout, parce que je suis content de venir de temps en temps. Je m'éclairer la tête, moi, tout, pour si je suis capable de m'éclairer l'autre monde. Au débat ouvert sur certaines questions en Haïti, que je n'ai pas regardé les gens, je passe à côté des fois. Et j'en dis pour nous garder, effectivement, garder un lien important, mais il faut apprendre et puis comprendre tout. Oui. Et 6, 7, 8 juillet passé, là, historien courrier, professeur. Donc, est-ce que pour vous, bien, dans tout le temps, on fait comme à fait cours, bien, à étudier, à faire l'histoire de manière générale, événement ça, vous voulez dire pour qui ça comme historien? Et bon, qui similitude avec Dieu l'autre événement? Moi-même, j'aime qu'à dire, événement ça, vous faites, vous répétez et après répétez toujours. Parce que Haïti né dans l'événement. Là, au point la révolte des esclaves de 1791, par rapport à ce qui passé le 16 juin, sans plus grand ampleur, c'est dit comme si ce qui est passé en 1791 ans, il était massive, beaucoup plus massive que ça. Parce que c'était tout esclave, en général, parce que yon pas arrêté, qui était point la rue, qui met du feu, qui brûlait toute plantation et qui détruit l'esclavage. Et quelques fois, quand il y a des qui étaient dans la mémoire populaire, dans l'inconscient populaire, chaque fois, le peuple là, guerre de revendication. Et puis, il y a des révoltes qui levaient. Tout le monde a deux seuls coups. C'est même bien, le roi prend cours d'histoire sur 1791, où on cherchait des bagages structurels pour expliquer 1791. Mais qui s'est fait même pour dans la nuit du 21 au 22 1790, tout est ça vaut d'un seul coup levé en masse. Et vous avez même type de problème là. Et vous dites que c'est. Vous analysez. Vous dites que chaque événement, c'est après gasoline. Gasoline a une circonstance, mais pas qu'à cause. Ça est important pour vous. Il y a une circonstance que vous profitez, mais pas qu'à cause. Et il faut chercher cause là. Parce que pour qui ça faut chercher cause là? Il faut chercher cause là pour ça pas fait encore. Mais là. Et, mais, qui problème nous rien? Nous avons un bagage, nous perdons garder le populaire. Parce que ce qui passe là, sont émeutes qui sortent dans le peuple. Et puis, nous faisons comme si. Nous pas jamais attaquer qui sont ça. Nous ben responsable premier ministre, nous battons pour refaire le gouvernement, pour nous être premier ministre, mais nous combattons un peu comme si pas de passe en rien. Événement sans importance. Parce que la question nous battons pour résoudre, pas aucun rapport avec l'événement. Oui, mais là, là moi, je parle de émeute. 6, 7, 8, ou même comme historien qui ont été qualifié. Bah, c'est émeute. Bah, comme ou même. Et
Et soit qui est important pour garder. Bon, je ne sais pas, mais vous regardez. Par exemple, à une époque, les émeutes ont commencé. Pas de la police, pas de gouvernement, pas de rien. Gon vide du pouvoir. Parce que le pouvoir n'a pas capable aucune décision. Donc, vous avez un vide du pouvoir. Et vide du pouvoir, ça. Mais ça fait vide du pouvoir. C'est l'intervention populaire qui dit pouvoir sans baville. Et qu'il faut faire l'autre pouvoir. Mais, question ça, c'est comme si on pas well. L'aime dans l'autre pouvoir. Et on parle de répercussion, qu'on y a. Question corruption, on parle de question, on parle de on parle mettre, et son bail important. Les pas le mettre législatif là à terre. La pas le diviser législatif là comme conséquence. La pas le diviser exécutif là. Et la pas le rendre exécutif là. La pas le exécutif là. L'exécutif va perdre du pouvoir. Et les pas de capacité pour gérer le pays, pour remettre le gouvernement sous pied. L'obligé pour le gouvernement aller. Donc, conséquence. Bah là c'est de bail qui est important. Mais position gouvernement intéressant. Gouvernement lui-même il pas chercher qui cause normalement. Oui, mais c'est sous circonstances là établi plutôt que cause. Oui, mais même si circonstances le bagarre bien. Parce que ils font l'autre route. Vous comprenez? Au lieu de par exemple, au bon gouvernement normal. Il a fait une enquête pour qu'on ait quel type de monde qui sortira? Moi, par exemple simple, est-ce que c'est monde qui zone, qui origine sociale monio, qui moyen économique monio, qui ceci, qui cela, pour le cas comprendre, pour bail ça pas fait. Donc pour qui ça me dit ça? L'homme a dit, go émeute à répétition. Ouais depuis, bon c'est le même bagaille qui va Jean-Claude aller. Ah oui. Bon. Mais peut-être que c'est constant quand on est déjà différent. Oui, mais tout ce qui est toujours différent. Par exemple, tu as un maître relativement sur Aristide, tu as un maître sur Préval, tu as un maître sur Matéli, tu as un maître sur tout le gouvernement, parce que tu as un maître. Donc, son phénomène régulier et permanent dans l'histoire d'Haïti. Et un maître est accompagné de déchoucage. Si des choukages, moyens des choukages, gros des choukages. Mais en garde Kounia, si n'a pas analysé, mais qui ça qui expliquait dans l'histoire en peuple, professeur, que tout le temps les bijoux à vivre mode. Non, mais ça, si vous allez dans le système social, vous avez sauté dans l'esclavage. Donc, là, c'est contre l'esclavage. Mais l'esclavage en lui-même, comme principe de base qui fait l'esclavage, nous l'avons toujours. Ils prennent forme d'exclusion, ils prennent forme de ceci, ils prennent forme de cela. Par exemple, regardez, je prends le phénomène de l'État, par exemple. L'État haïtien, c'est l'État qui est né sous la colonisation. C'est barbé de marbois qui était fait. Donc, il y a des réaménagements qu'on fait là-dedans. Mais, nous ne faisons pas l'État réel après la Révolution. Par exemple, songez bien, des salines de gouverneur général à la vie. Après ça, il n'est pas bon, il vient changer, il vient un peu heureux. Mais tout ça, c'est des modèles qu'on a copié sur le pays étranger. Et vous parlez, en tant qu'empereur, l'Italien doit prendre terre, distribuer terre. Oui, mais dans la période là, c'était ça que tu as tout comme modèle, professeur. Oui, mais non. Pour moi, ce n'est pas un argument. Parce que. Et c'est pas un argument parce que vous êtes obligé de prendre un modèle qui est, vous pouvez inventer des modèles. D'accord. Surtout, là où vient pour la révolution contre 1804, il y a des tentatives de faire de bail neuf. Mais, l'on a analysé, il y a un bail négocié, il y a un bail qui est copié. Donc, on a soit analysé pour regarder pour qui ça a copié tel bagage, pour qui ça n'a pas copié l'autre. Par exemple, mais l'État beaucoup de fois, sous idéal désaligné, en tout quelque part. Non, je ne parle pas même au idéal désaligné. Pour qui ça, comme historien? Non. Parce que l'ordre idéal désaligné, ou idéalisé désaligné.
Mais comme historien, on là pour analyser des salines pour comprendre et pour expliquer. Là, ça a passé. Ou quand dit la piste, les idées de salines. Okay. Mais là, on disait idéal de salines. Comme si. Ou bien sur la pensée de salines. Oui, on a fait la pensée de salines. On a fait l'idéologie de salines. Les idées de salines. Mais là, de l'idéal là, on prend l'idéal sacralisé. Et l'on sacralisé, on va pas l'idéal. Vous comprenez? C'est pour ça que je me retire après l'idéal. Je me retire soit la pensée, soit l'idéologie de Saline, etc. Après bien ça, où est valeur et où est limite? Parce que quand même, des Salines. Non, mon cas toujours prend distance pour faire critique là, même si. Ah oui, mais là, c'est idéal. Il dit plus pour faire critique. On a déjà dit son idéal. Donc, il faut une position relativement claire. Bon, je ne vais pas dire neutre parce que la neutralité en tant que telle n'existe pas, mais bon, pour qu'un bon gens pour lire la pensée de Saline, ou évaluer la limite, ce qui est appliqué, ce qui n'est pas appliqué, pour qui ça? Mais si nous tournons sur 6-7-8 là. Bon, regardez, on va parler de ça. Regardez, j'ai auprès de Saline. Comment les Salines mourent? C'est à peu près le même phénomène. Ça, mais son seul bagage, c'est un complot de palais qui est ajouté sur le phénomène. Même si, l'homme dit ça, c'est les Salines qui mourent, ça fait. Mais, donc, ce qui veut dire, phénomène, là, il fait que des fois, les jeter gouvernement, que des fois, il fait après. Mais maintenant, le peuple a tout sauté dans la rue le plus souvent, dans jeter gouvernement. Dans les années jusqu'à l'écrasement de l'armée, depuis le peuple a pris la rue, l'armée a fait coup d'État. Oui. Il dit pays est ingouvernable, et puis le gouvernement allait. Mais tout Dieu ça pour comprendre, parce que c'est juste ça qu'a fait ça, c'est pour empêcher le mouvement populaire de réussir. Donc chaque fois qu'on coup d'État, à la fois ils font coup d'État contre le gouvernement, mais coup d'État a un deuxième bagaille, il compte le peuple à tout. Parce que le peuple ne va pas arriver plus loin. Oui, mais au depuis 1986, vous regardez tout ce qui est oui, mais c'est tout. Oui, mais ça fait un peu, il y a une logique. C'est même bien qu'on y a là. Ça, le gouvernement a battu pour faire là. C'est le même phénomène là. Le peuple a sorti. Le peuple a fait revendication. C'est comment? Comment vous ne pas prendre compte de revendications populaires? Et bien, qu'on y a. Ou faire comme si, sans problème gouvernement, rien. Ou faire premier ministre, ou faire ceci, ou faire ministre. Et puis, nous espérons qu'avec premier ministre, avec tout le gouvernement, avec mesure qu'on a fait à peu près contre tout le monde, et puis, ou j'ai la boule aux yeux, et puis la chose continue. Et puis, non, jusqu'à ce qu'il arrive dans la période, il n'est pas capable encore. Non, 3 ou 4 encore. Mm-hmm. Ça recommence. Ça recommence. Puisque, on va jamais essayer d'analyser ce qui passe. Et ce qui passe, il pose un problème. Il faut regarder le populaire. Il faut regarder la vie du peuple, là, besoin du peuple, là, revendiquer la place du peuple, là, forme de manifestation du peuple. Là. Et tout là, ça, pour changer, pour ne pas faire encore. Oui, mais là. Bon, maintenant, est-ce qu'on a fait ça de façon traditionnelle? Bon, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que le régime, là, les grands gens le font à la base que nous n'avons pas exclu, pas inclus dans la politique. C'est ça, m'a dit. Par exemple, m'a dit, regardez le budget. Ou qu'on population. Qui à peu près entre 60 et 70% de paysans. Et puis, l'organe des budgets, pour question paysans, il n'y a pas 10%. Donc, d'abord, le budget a un fort côté là-dedans. Bon, quand il y a sous des budgets, côté Cité Soleil dans le budget, côté Rabotou, côté tout le cas. Donc, l'autre budget, son budget, qui prend comme taxe, et puis qu'elle prend le pays en paye l'État. Et ça fait Haïti difficile. Le budget n'a pas aidé la bourgeoisie. Tout. Donc, au bout d'un gouvernement, quand c'est un cadeau,
classe moyenne, c'est yo consentant. C'est yo comme si l'État vient comme bien privé classe moyenne. Et non, ça va passer dans la corruption là qu'on y a. Sénateur, député, bon, c'est mandé à mandé plus dans le gâteau. Il dit nous pas gain compte. Mais les a mandé plus ça tout en bas par yo pas jamais pensé en bas. Et tant que qu'on y a nous pas pensé à poser problème en bas. Problème l'école, problème santé, problème manger pour tout le monde, problème de l'eau. De l'eau pour tout le monde. Mais surtout pour ça infrastructure de base pas exister pour problème manger. Yeah. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire. Par exemple, moi-même, comme des pauvres, je suis Saint-Louis du Nord. L'homme Saint-Louis du Nord, mal n'en parle, par exemple, regardez. Ouais. Bon, une population qui est estimée à combien de milliers de monde, et puis on fait le bœuf. Ça veut dire qu'on ne peut pas manger. Ouais. C'est même bien, par exemple, soit les citoyens n'en parlent. Ou garder combien de bœuf qui tue pour toute population, ça veut dire que nous ne pouvons pas manger bœuf. Donc, c'est pour nous que nous avons des problèmes profonds que nous n'avons pas essayé de poser pour résoudre. Par exemple, le baccalauréat, ou en France, il y a cela 4 ou 5 ans. Il y a 3% d'étudiants qui ne passent pas dans le baccalauréat. Eh bien, on nous dit, faut expliquer ça. Ouais. Ici, où il y a 80% qui ne passent pas, et puis c'est normal. C'est normal aussi. Mais, l'organe de base à ça, derrière la tête, qui dit c'est normal là. C'est que, monde qui l'école là, il n'y a pas de droit à passer. Et c'est ça pour même système d'enseignement. Les abdi élitistes là, c'est pas élitistes, c'est exclu. Son système d'exclusion, tout est fait pour l'école. Il y aurait les bons lettres là, pas jamais qu'à passer dans le baccalauréat. Oui, mais ça, du coup, pour le permettre qu'on une société à plusieurs vitesses, toi, en même temps. Ah ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est pour même Haïti. Hein. Par exemple, Haïti, c'est un des pays plus inégalitaires du monde. Bon, où est-ce que bon. Ou ka gade nan budget. Bon, budget a gon bay là-dedans, gon bay ou les types personnels. Comment moun pou ap travay pour les types personnels? Bon, deuxième mot gen nan budget, et ka ki nan budget. Gen moun ka touche 150 000 goud, moun ka touche 200 000 goud, et puis gen moun ka touche 10 000 goud. Mais tout le travail. Oui. Donc, ou pa a gon budget, donc autrement dit, inégalité qui gagne dans le système socio-économique là, ou je venais en dans l'État. Oui, mais est-ce que l'État lui-même même pas entretenu le tout? Oui, mais l'État entretenu lui-même, c'est l'État qui est lui-même, et ça fait, l'État qui dit le fait, c'est la société même. Donc, ouais, donc, ce même gens-là, bon, ouais, tu pourrais me poser là, c'est des problèmes qui posent, bon, il faut refaire l'État. Il faut faire peut-être. On l'État qui est juste et qui est équitable. Mais là, il y a trop d'intérêt, professeur, dans le cas ça. Ah ouais? Ouais. Non, mais c'est normal. Où il y a intérêt? Il y a des intérêts contradictoires. C'est ça qui est. Ben, c'est pour ça, par exemple, moi-même, je ne sais pas si j'ai raison. Je vais regarder la crise d'Haïti. C'est un pays bloqué. Son pays qui vit une instabilité permanente. Ça fait ça. Parce que le peuple n'a pas qu'à prendre pouvoir et la bourgeoisie n'a pas qu'à diriger. Pour moi, c'est là qu'on s'appelle. Et pour moi, c'est ça qui fait instabilité. Autrement dit, pour moi, les députés, sénateurs, que je n'ai pas parlé, je ne peux pas étudier pour même pouvoir ici. Parce que nous avons une crise de direction. C'est une bonne question de gouvernement, ça, là, non? Son bail, même, on a dit, qui commençait depuis 1804, et puis, qui n'a pas gravé. Et puis, on vient de Valérissa, qui a une crise, qui a une crise, et puis, il a laissé résoudre à Makoutis. Makoutis apparaît, gâté. Même gens, qui n'a pas développé le militarisme. Et puis,
l'armée a pas le craser. Et puis, bon vide dans le son pays. Ya. Parce que mon pays n'a pas qu'à diriger, bon, ma part Saoudi dans le livre, sans pas qu'on un groupe ou une classe hégémonique. Faut qu'on groupe qui a mené pays, qui oriente pays, qui dit, mais côté la brale. Mais par exemple, dans l'événement 6-7-8, on rend compte absence groupe ou bien classe ou bien religion, vous voulez l'entendre. Oui, mais en même temps, bon, après, peuple, ça va être compliqué. Le peuple n'a pas existé tout en lui-même, parce que c'est chaque grain d'équilibre que les bon matin, je ne peux pas organiser, personne ne pourra convoquer, ou pas même qu'à comprendre comment on fait sortir même deux ensemble. Donc, c'est dire que le peuple a son problème d'où. Oui, mais le phénomène a vu notre sujet complexe en cas ça. Oui, mais c'est ça qui fait bien la difficile. Par exemple, tout le temps, on a fait l'état général. Entendez ça, ou bien on a dit, il a fait la conférence nationale. Mais qui nous va le convoquer? On est parti politique, ou qui nous représente? Non, parce que là, on y a là, sous garder bien, on va prendre compte que le parti politique qui dit dans l'opposition n'a pas tellement de pouvoir de convocation. Par exemple, sous dit, on va convoquer les artisans. Bon, qui nous va brûler? Sous dit, on va convoquer les intellectuels. Qui nous va brûler? Puisque pas aucune institution, il n'y a pas rien. Donc, autrement dit, nous avons un bon bac à passer dans un pays étranger, on dit, on n'a pas fait même bagaille, mais ça, on n'a pas qu'à faire. Il faut avoir une réflexion plus profonde. Nous disons après réunir. Comment réunir mon Dieu? Donc, après, il va réunir l'église, réunir ceci, réunir cela. Il y a la société civile. Personne ne va connaître. Il y a quelqu'un qui paraît là-dedans, mais la société civile n'est pas claire. Et c'est chaque jour un groupe qui paraît qui dit lui-même qu'il représente la société civile. Oui. Donc, est-ce que c'est pour moi hein, qui permet que bah, la vie tourne en commerce, tourne en casa? Oui, il tout bagaille. Il tout bagaille, commerce. Et entre mêler tout bagaille politique, question sexe. Tout bagaille mêler là-dedans. Donc, c'est. Mêler. Donc, au pays, bon, quand il y a là, réflexion pour d'affaires, est-ce que c'est misé pays? Parce que le pays est le plus souvent qui est organisé. Il est organisé économiquement déjà. Par exemple, moi-même, ça qu'on intéresse. L'école normale, il a fait une eau. Mais c'est un gros problème. Moi-même, je dans l'autre pays, faire ça, son professeur, son bail qui passe. Parce que. Il y a déjà un intérêt déjà. Non, il n'y a pas intérêt seulement. Non, professeur, il y a une grosse école. Il y a 200 professeurs ou 300 professeurs, ou besoin de réunion. Comme si nous sommes l'école professeur. Il y a 10 élèves, et professeur réunion appelle là pour une heure de temps, il y a professeur réunion. Mais là en Haïti, professeur a déplacé d'une école à l'autre. Quand il a travaillé. Bon, au professeur, il n'a pas gagné lieu de travail. Donc comment pour réunir? Donc, autrement dit, structure de base du pays, qu'on va l'empêcher. Là où on va fait l'autre bord, qu'on développement économique, qui permet un développement politique, qui permet un développement organisationnel. Donc, là où on va une base, ça y a plein de problèmes. Par exemple, là, pour un syndicat d'ouvriers, mais une usine, ça va des milliers de monde. Mais là, pour chaque usine, en bon réunion, on va gagner dans le même arrêt, des fois. Donc, pendant le cabaret du Valais, ça c'est que, mais laissons masse de monde qui descend dans l'école. Et vous avez regardé dans l'expérience qui s'est passée dernièrement, dans la question que vous avez faite pour l'augmentation du salaire minimum, vous avez toutes les difficultés qui ont été gagnées, c'est-à-dire comme si pour ouvrir vraiment, mettre tout ensemble. Pour organiser. Pour organiser, c'est ça qui explique. Oui, mais c'est toi, donc, un jour en plus seulement. C'est ça qui fait bourgeoisie à tout. Les grands forces énormes. La division mondiale, mais division structurelle, tout. C'est pour ça, par exemple, il n'y a pas fait grande entreprise dans le fond. C'est même pas une université. Université, si par exemple, vous avez une université qui n'a même espace politiquement, c'est un gros problème. Oui. Mais l'université a divisé bout, et puis il n'y a pas qu'à faire unité. Donc, là, autrement, je vais vous le dire.
Gon réflexion, papa. Système n'est pas aussi faible que quoi. Donc, vous voulez parler de quel système? Système social à Haïti. Ok, regarde Haïti. N'est qu'au pouvoir, bah, moi, je parle de pouvoir réel, je parle de président, je parle de ministre, parce que je parle de pouvoir réel. Le pouvoir réel, là, c'est le pouvoir économique, etc. Et quoi, lié à pouvoir politique. Là, c'est ce qui a mérité d'étudier en Haïti. Mais là, on fait une étude sur Haïti. Mon gars, là, depuis 1791, ça peut être même mon yo qui était dans le système économique là. Système, pas que renouvellement, une immobilité réelle. Et les grandes familles, bon, on a plus compliqué. Bah, là, on fait un petit peu l'histoire économique d'Haïti, pas en détail, puisque c'est difficile dans le cas d'Haïti pour nous faire une histoire économique, où les grandes familles yo disparaissent. Et yo vivre yo conduire m'a pas de famille yo conduire à peu près 50 à 70 ans par exemple on parle de bourgeoisie oui mais est-ce que c'est incapacité yo gagne pour yo au fait pyrénéiser m'ta capable d'activité ouais, activité économique et ben c'est ça parce que ça intéressant pour qu'on qui ça explique ça par exemple oui mais non plus tout yo pas attaché à territoire c'est ça tout. Donc, il y a une explication parce que vous n'en faites l'argent, l'argent le fait à retirer dans le pays, côté lien, là, le vaut et dans l'autre côté. Bon, qu'est-ce que je ne connais pas? Il est intéressant pour qu'on ait quel niveau l'argent vous faites. Oui. Par exemple, il y a comme si, il parle en Haïti souvent de la mauvaise foi de la bourgeoisie. Moi, je me demande si c'est mauvaise foi ou si c'est moyen économique. Parce que nous pas capi bourgeois parce que bourgeois comme dit n'a pas des bourgeois qui a fait piscop bourgeois intelligent sous elle pas fait piscop c'est que moyen va permettre donc faut nous pas oublier que bourgeoisie c'est dans son bourgeoisie périphérique bourgeoisie dans petit pays raseur oui oui mais c'est si, moyen oui mais c'est richesse pour créer donc pour gagner plus ah oui mais que accumulation de capital de départ qui a fait ben Haïti. Parce que. Parce que vous avez dit là, qui est assez considérable, professeur Lodi, et c'est peut-être un constat tout, c'est que vous n'avez pas de grandes entreprises. Oui. Non. Ou vous avez l'impression que c'est plutôt leur prendre de l'autre pays. Non, mais. Ou vous avez dit que c'est des petites boutiques. Non, mais quand le grand livre qui paraît il y a trois mois à peu près de la Casimir. Ah oui, je sais. Je vais expliquer un bail qui est pour moi très important, qui vous va j'aime son bail. Que ça nous est les bourgeoisie qui pose un problème. Et en 1804, les affranchis, les plus riches, ils étaient les ingénieurs. Ils étaient aussi riches que nous. Ils sont partis en 1804. Les qui étaient, c'est les bonnes pétions, les bonnes qui des affranchis moyens qui étaient dans l'armée, qui n'ont aucune expérience en administration, puisque blanc pas de quitter entre l'administration, qui n'ont aucune expérience même sous plantation, et c'est nex qui est capable de constituer l'oligarchie haïtienne. Donc, ce sont des raseurs. Et ça a expliqué peut-être. Corruption de l'État, puisque la corruption de l'État ne date pas d'aujourd'hui. Non, c'est évident. Et son corruption qu'il a depuis la colonisation d'ailleurs. Donc voler tel État, c'est pas voler, etc. Donc toute une idéologie qui traînait, qui accompagnait par ça. Donc tout phénomène ça, aussi des phénomènes qui méritent que l'on étudie. Donc l'offre une pomme comme ça. Donc, next ça, qui vient prendre pouvoir. Pouvoir a une source de richesse au balcon bagaille qui est spécial dans l'histoire mondiale. Que bourgeoisie, c'est dans l'État constitué. Donc, bourgeoisie, c'est corruption qui fait. Donc, il faut continuer la corruption. Parce que s'il ne fait pas corruption, peut-être qu'il va mourir. Non, mais est-ce que c'est mourir économiquement, vous voulez parler? Oui, okay. Ça veut dire tout bourgeois.
Non, moi-même, ça qui intéresse, c'est la question peut-être politique. Ok. Bourgeois, s'il ne fait pas politique, par exemple, pourquoi ouais. Économiquement, il a tombé. Il a tombé politiquement, comme si politique et économique sont tellement liés aux bourgeoisie. Si bourgeois n'en paye taxes régulièrement, si bourgeois n'en paye ceci régulièrement, il a suspendu le bourgeois. Et c'est pour ça, comme je me dégradé, moi-même, dans la tête, pas. Haïti, son révolution pour le faire. Je ne dis pas que je prends des âmes, non. Il a pris des âmes tout. Mais comme la révolution fait, il n'est pas obligé de faire avec les âmes. Mais de toute façon, le peuple a changé. Il faut qu'il y ait de l'autre mécanisme pour ne faire comme si on était dans le capitalisme. Il faut qu'il y ait des mécanismes qui mettent sous pied pour qu'on fasse comme dans l'honnêteté. Pour qu'on fasse comme dans l'économie. Sont pas entrés dans la politique parce que où est ça dans la crise qui passe là on pas continuer bien mais ça me l'impression bourgeoisie attaque yo c'est bourgeoisie me regarder économico politique yo ça veut dire nèg qui bourgeois qui pas entré dans la politique yo qui rete bourgeois y a fait business yo m'pas ouais attaque yo donc. Et après, par exemple, la question de Boulos, par exemple, il y a la Lona. Donc ça veut dire que quand on va passer là, c'est comme tout à dire bourgeoisie, fait travail économique, investi, quitter le champ politique là pour politique. Oui, mais là, et puis quand il y a au moins des politiciens, on y a honnête. Bon, où est là? Oui, mais comment on a demandé son gros exercice, professeur? Pour demander des politiciens honnêtes, alors que même non, pour faire campagne, non, déjà. Non, je ne vais pas l'expliquer. Bon, je dis ça, moi-même, si la position de là, ou qu'à obliger les politiciens honnêtes. Ça, c'est une question de l'État. Non, c'est-à-dire, en sanctionner ça votre, dire, non, avec votre là, vous voulez. Non, 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 c'est une question de vote, c'est l'organisation de l'État. L'État mettait compte sur tout le monde. Depuis le dernier employé jusqu'à président. La corruption, c'est un phénomène mondial. Du pouvoir administratif, il est parti dans la théorie. Que tout le monde est mauvais. Que tout le monde cabine voler. Donc il faut empêcher le voler. C'est pour ça que les gens parlent de corruption, ils ont dit arrêter les corrompus. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre parce que. Son équipe a corrompu qui vient corrompu. Donc, ça n'est pas corrompu là. Il y a bien corrompu. Donc, ça n'a pas passé si on prend solution. Ben, là. Il y a déplacé corruption. Corruption, par exemple, sous du balai de ton côté, il traverse là, non pas le monde. Il a viré là, non pas le national. Mais, c'est deux bagailles comme si l'administration publique lui-même. Il faut qu'il y ait contrôle, il faut qu'il y ait vérification, il faut qu'il y ait tout pareil. Par exemple, un directeur de la douane, par exemple, comme ça là, quand il lève les droits pour faire un monde payer tant de bon bagaille, et puis tel monde pour même bagaille, puis on l'autre cop. C'est là la corruption et tout. L'homme dit ça, quand directeur de douane, on directeur, mais on entreprise d'État, on dit même, on l'école, dans le lycée, dit que tu n'as pas mon niveau, mais il y a un problème. Ouais. Donc, le WAP dit corruption, ce n'est pas l'argent qui me fait la corruption. Bon, bon bagaille, c'est corruption. Ouais. Donc, autrement dit, il faut que l'État de droit existe. Mais l'État de droit, c'est bon mollier. C'est que, faut des lois justes. Ce n'est pas pour gagner la loi, non? Ce n'est pas de dire qu'il faut respecter la loi, non? Et comme Gervais Charles Rabhitier dit, il y a une bonne loi en Haïti qui sont des lois scélérates. Donc, on ne peut pas faire une loi scélérate là. Par exemple, loi qui fait Boulos qui a prêté comme là. Bon, faut loi ça, ça rentre. Mais il faut garder tout, par exemple, à qui ton intérêt le prêter. Eh ben, oui, par mais, rapport à ça, oui, mais et la Banque Centrale mettait oui, comme des banques pour dire oui, que mais est-ce que. Oui, mais il faut qu'on bonne joue là. Comme la son bail social, yo se bak loi social yo pour régler bail ça. Donc autrement dit, gon gymnastique intellectuelle qui a fait un bail ça, faut veiller.
Mais là, on a proposé, professeur, et puis après ça, on a continué à analyser pour permettre pour nous comprendre bien. Nous souhaitons que, jusqu'à présent, nous arrivions à partager et puis du moins se comprendre. Échanger ça au cap fait là. On a tourné à propos là. Merci parce que toujours être branché qui se crée à chaîne 14, vous suivez l'émission Ou en Point. Magazine ça, j'en connais l'un qui commentait l'actualité avec invité et puis analysé autour. Jodi an nous gain avec nous professeur historien Roger Petitfrère avec lui nous commencer dans première partie hein, et ben analyser historiquement et t'a capable dit émeute 6 7 8 juillet yo, j'en lui même les considérer, les qualifier et dans deuxième partie émission nous pour regarder ensemble puisque avant pause là nous t'a parlé justement de choix économiques de monde qui peut-être gagner des facilités dans jeune l'argent de l'État, Fonda peut-être garder. Est-ce que c'est des alliances qui fait dans ce cas, ça, professeur? Bon, si on analyse la politique, là, et on va dire que le système politique haïtien est un système oligarchique. Donc, il y a une minorité qui met le pays. Et ceci, depuis la mort de Saline. L'organe, par exemple, phénomène de Saline, c'est pour ça et son transition de la colonisation à l'indépendance, mais au cas dit équipe n'est qui fait indépendance de Saline au pays. Donc c'est-à-dire on veut parler de groupe qui quitté et non peut-être partager l'idée de Saline de gain. Oui, ils ont perdu avec la mort de Saline. Et à la mort de Saline, c'est bien que Christophe qui est dans la ligne de Saline. Avec des nuances, mais il est dans la ligne nationaliste malgré tout. Et ça capable de arriver dans le pays, c'est Pétion qui réussit. Donc, sous bien fait l'histoire d'Haïti, Haïti n'est pas né en 1804. Haïti, Jean Lila, est né le 17 octobre 1806. Et l'inné contre le projet des Aléniens, contre ce projet de dépendance. Gombaga, peut-être que vous va regarder, et les affranchis, vous pas jamais pour l'indépendance. Vous venez pour l'indépendance, les menacés, vous venez connaître que vous allez voir tout à fait sur Madagascar, c'est de pas danger ça, vous allez réunir avec les Aléniens. Bon, son mariage de circonstances qui n'a pas duré même 2 ans. Et ça, il a parlé de l'unité nationale qui fait Haïti. Il faut mettre l'unité nationale là. On tire point d'interrogation sur lui. Parce que, il n'y a pas eu le pays des Alignes, on liquide. Bon. Et il va construire un pays ouvert aux pays étrangers, soumis aux pays étrangers, capable de faire ça. Bon, si nous entrons dans la politique, bon, c'est la base du système politique haïtien, en 1806. Et ça va lui dire, son pays capable de faire semblant, son semblant de république. Et M. Zayo, il est très fort en politique. Il parle en politique de magouille, et capable de permettre qu'il ait le pouvoir. Très loin. Non, mais là, c'est la même situation où on vit aujourd'hui, là, professeur. Parce avec, que, avec une nuance. Bon, mais vraiment, nuance, là, il est tellement petit ou pas dit qu'il existait encore. Parce que, bon, écrivé, il y a eu l'occupation américaine. Par exemple, là, on fait toute l'histoire du 19e siècle, là, par exemple, l'oligarchie, ça, il dominait. Mais, il n'y a pas l'entrée dans la crise. Et puis, à part de l'école, capable de permettre la naissance d'une petite bourgeoisie de sa les classes moyennes. Et qui parle besoin d'intégrer le pouvoir. Peut-être ça traverse qu'a expliqué Duvalier. Il y a tout le monde qui passe. Et au cas de Duvalier, ça, il y a un bagaille qui fait. Il n'y a pas anti-oligarchique, mais demander place dans le système. Et vous parlez de certains secteurs de la petite bourgeoisie
intellectuel et économique capable d'entrer dans le pouvoir. Non, mais et c'est évident que le classe moyenne a toujours une tendance pour le sembler avec, pour le river joindre bourgeoisie. Donc, ce n'est pas étonnant que oui, mais, oui, l'alliance n'a pas toujours fait eh ben, eh, au détriment oui, mais, de monde qui est plus bas. Oui, mais je n'ai pas du mal ça va le faire. Et on va voir comment on a pas le boulot avec l'oligarchie. Bon, premièrement, si nous entrons dans la paix pour l'oeil, la page servi à Carabio pour lutter contre les mulattes. Et ça, comment le faire? Il a monté le couche à Rabio contre les mulattes. Et vous voyez, un petit conflit qui a toujours été là, les Arabes, les Juifs, les Syriens, vous voyez tomber dans un conflit. Qui est difficile à comprendre, mais qui là. Ensuite, après, il y a eu la province, il y a eu la Port-au-Prince, il y a eu la paix bon, il y a eu la paix pas bon. Son bagage, c'est compliqué pour étudier. Mais à part qu'on bagage, on va le passer sur du valériste. Comme si la petite bourgeoisie a mis main sur le pouvoir politique. Là. Et il y a voyé bourgeoisie là, fait bas économique. Et puis, il y a vu, ça qu'on peut le passer, l'on analyse, par exemple, les chambres législatives, les ministres, à un certain moment, tu as un bourgeois qui est ministre. Comme je dis, les classes commerciales sont ministres. Ou bien des bourgeois, de grands, de nègres qui font partie de la bourgeoisie, qui sont présidents, des choses comme ça. Mais maintenant, ça n'a pas fait encore. Et petite bourgeoisie a un bagaille, li prend pouvoir politique là, la dirige pour bourgeoisie, mais du politique là, c'est la marché caille, c'est la marché caille ni en Haïti ni là-bas, c'est là pour me machine, c'est là pour me faire tout le travail. Et puis, et si vous n'avez pas capable d'expliquer corruption, tout, la petite bourgeoisie, comme si, nèg là, c'est comme si depuis que tu as bien un job. Oui. Donc, il ne vient pas janter longtemps que bourgeoisie que député a représenté l'oligarchie. Par exemple, on fait une étude un petit peu. Pourquoi le député a été son nègre dans une ville qui faisait partie de l'oligarchie et qui était important. Tandis que le sénateur, c'est un nègre qui était plus fort économiquement. C'est une oligarchie provinciale et il était dans tout département. Oui. Et qui est-ce que tu as dirigé le pays là? Les chambres de députés réunies, c'est les différentes oligarchies qui te chita, qui t'appellent. Maintenant, ben, ça a éclaté. Parce que, grand pile petit peut être capable de l'école, capable de bataille, puis ben, ça a éclaté. Donc, phénomène ça lui-même. Qui forme pour un Konya? Et c'est ça, Mme Dabdou, il n'est pas différent qu'on y a la pratique pensée. Non, c'est toujours un petit groupe qui est Doha, qui a décidé. Il n'est pas différent structurellement, mais il est intéressant pour nous chercher comment conjoncturellement ça va passer. Quand il y a une bataille qui a fait là autour de la nomination du Premier ministre, bon, qui vole la bourgeoisie à Bruel Adam, dans le temps de l'audi, la bourgeoisie a financé tout. Bon, pour moi, c'est un phénomène nouveau. Puis que toujours dit, ce n'est pas les nationales qui réglent à faire nomination. Oui, dans le Premier ministre. Premier ministre, yeah. Bon, autant dire qu'on y a, bon, ouais, bon phénomène. Ça me dit, bourgeoisie, comme si, il est venu à l'offensive. D'abord, j'entendais les gens parler sur les réseaux, ou un négocié conflit entre eux, il est venu à l'offensive. Cap dit l'autre c'est volé. C'est qu'on y a une dénonciation à faire. Oui. Donc, autrement dit, il y a une crise à l'intérieur de la bourgeoisie. Tout. Bon, au niveau, bon, on a soit pris du point de vue politique, tout. Rapport entre l'exécutif là et législatif là. Mais, je ne vais pas garder ça. C'est comme si l'exécutif là mourit. L'organ législatif, cap nomme un directeur général. Oui. L'organ législatif, cap nommé premier ministre et puis cap nommé ministre déjà c'est la vie exécutif oui. Donc non, parce que la vie l'autre problème que mon peut-être pas rendre compte parce que
exécutif là, l'État supposé gain mandat par rapport à promesse qu'il a fait dans la campagne. Oui. Mais le coup n'est législatif là qui dit qui est-ce qui prend le ministre, qui est-ce qui prend le directeur général, il n'est pas évident que pour gagner application de politique que je vais mettre sur pied pour répondre à la promesse. Ça, c'est intéressant pour nous approfondir, professeur. Oui, ça, au point de vue légal, il est bon, oui, analyse au fait, du point de vue légal. Mais quand l'autre bail qui est passé, côté législatif là, venu, l'équité, l'égalité, et puis l'entrée dans la politique directe. Par exemple, pour moi-même, quand le premier qui passe, législatif là, font un coup d'État en nommant privé à président. Oui. Parce que, par contre, texte, aucun texte de loi que nous mettons. Et pour moi, c'est là où on peut voir. C'est là où on commence à pouvoir. Mais comment il a dit que je me remets, il y a élu privé au troisième degré. Oui. Mais ça, vraiment, c'est ton bail. Oui, ils ont inventé de bagages. Oh, bagaille, oui, mais... Pour faire de brigandage. Yeah. Donc, et depuis là, ça, ils ont une plus fort par ce exécutif. Et j'ai l'impression, par exemple, élection a fait, privé a essayé de mon premier ministre. Ils ont retiré, et puis ils ont nommé mon premier ministre. Yeah. Et depuis lors, chambre de pouvoir extraordinaire. Bon, nous ne pouvons pas entrer dans le phénomène ça. Bon, comment pour président, président? Mm-hmm. Ah ouais, parce que pour président, il faut qu'il remplisse le rôle qu'on constitue sur mm-hmm. que la premier ministre a formé le gouvernement. Yeah. Et il n'y a pas qu'à former. Donc, ouais, bon, ouais, crise pour voilà. Donc, il n'y a pas laissé, il faut un compromis. Il n'y a pas même un compromis. Il n'y a pas un galimatia. Oui. Qui encore a aggravé la crise. Oui, mais parce que. Parce que qui sont capables, voilà, pays pas par le cas dirigé. Oui, mais. Parce que, ils sont chef. Réalité, ils ne sont pas pris en compte tout. Mais pas capable. La partie. Oui, ou pas un gouvernement collé pièce. Qui n'a pas une unité là-dedans. Et, bon, qu'on y a même. Est-ce que le Premier ministre, mais il y a un deuxième problème. De confusion de rôle entre Premier ministre et président. Il y a une constitution en tout. Bon, normalement, c'est le Premier ministre qui dirige. Oui. Mais le Premier ministre n'a pas de mandat national ni populaire. C'est le président qui parle dans l'élection. Il parle dans l'élection. Donc, son est normalement plus faible que le président. Qui t'a doué théoriquement plus faible. Oui. Et vous comprenez pour quelle raison, Premier ministre, le président choisi, il a toujours voulu garantie que le monde s'est choisi et pas le monde comme ceux qui vont l'éclipser lui-même. Non, mais moi-même, je regarde l'histoire concrètement. Le Premier ministre par le président. Le président par le Premier ministre. Mm. Songez la torture. Oui. Et Boniface. Bon, le monde qui a essayé de jouer bah, ça bien, c'est la mort. Oui, avec Michel Martelly. Avec Michel Martelly, il a fait challenge, je ne sais pas comment commenter, mais il a senti qu'il y a un équilibre dans la majeure. Donc, ce qui veut dire que politiquement, l'État est intéressant pour nous rejoindre quelles sont les inimitiés dans le pouvoir, quelles sont les alliances, quelles sont les concurrences, quelles sont les compétitions. Tout le monde est intéressant pour faire une analyse réelle du pouvoir haïtien. Mais nous avons tendance à pénaliser soit légal, soit moral. Mais nous pas regarder qui rapport de force qu'a joué là. Par exemple, rapport de force entre ancien président et nouveau président. Rapport de force entre chambre législative, entre chambre des députés et sénat. Les alliances à l'intérieur de la chambre des députés, les mésalliances. Mm-hmm. Les luttes, les conflits. Donc, bref. Oui, mais apport ce que bourgeois tout en dedans, ça n'a pas été considérable. Bon, rapport avec la bourgeoisie, ça me plaît, par exemple. Il y a des députés assurément qui ont des contacts avec la bourgeoisie. Ah oui, parce que le financement n'a pas eu, il est clair. Il y a ça pas eu tout. Et puis, ça compte les autres problèmes de la drogue, etc. Sont pas, etc. Mais, ça fait, on n'a pas dit qu'on va vers une solution. Durable. Tout ça n'a pas lié, c'est rapport peuple à pouvoir. Rapport peuple à qui travaille dans l'État. Et
Donc, ou bien l'État qui sent. Même pas quoi perception en bon nom? Eh bien, c'est ça. Je parle de l'on, j'en peut-être en gros français. Son l'État sans légitimité. Son l'État pas qu'à l'État. Parce qu'on l'État pas qu'à rétablir l'ordre. On l'État pas qu'à mettre taxes. On l'État pas qu'à prendre décision. Bon, ouais. Yeah. Donc, autrement dit, il y a une crise de direction. Et qu'on y a pour péage dans nos directions, il faut qu'un gouvernement que le peuple accepte. C'est-à-dire qu'il faut établir confiance. Et pour le peuple accepter le gouvernement, faut le gouvernement tout, le peuple a senti la fond bagaille pour lui. Par exemple, l'on dit qu'on a fait caravane, qu'on a mis des routes. Mais où pas un problème, peuple là? L'on dit qu'on a fait une infrastructure, qu'on a fait. Où pas un problème, peuple là? C'est dans le quartier populaire, c'est dans ceci, c'est dans cela, c'est dans le problème de logement. Tu n'as pas qui touche directement le peuple là. Mais je n'ai pas fait macro économie, non. Quand y a la, comment pour diminuer le coût de la vie avec Wabgadi? En même temps que le gouvernement met des taxes au peuple là, en même temps, produit de première nécessité. A prix ou à augmenter. Prix à augmenter. Mais comment vous nous vivre? Comment vous nous vivre? Donc, si vous pas attaqué pour même ça. Et pour ça, je me suis dit, parler dans le bagaille, quel que soit le gouvernement qui vient, son seul qui a priorité, c'est la lutte contre la pauvreté. Parce que la pauvreté de massa, nombre de monde n'a fait pas bon dans le pays là. Toujours un bagaille pour émeute éclater chaque jour. Et l'on regarde le nombre de manifestations dans le pays, et le ministre, il était là, il était compté, on a appelé le nombre de manifestations dans le pays chaque jour. Son bagaille, comme si nous avons sous-estimé, mais son pays qui en révolte permanente. Yeah. Mais là, vous regardez, en République dominicaine, vous regardez les gens qui font marche verte oui. Contre la corruption et qui ont succès. Et vous arrivez à mettre en bas des gens qui sont des gros autobrés. Malgré ça, ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits. Ouais. Ils ne sont pas comprendre. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien. Même. Bon, nous ne pouvons pas mettre la corruption. Moi, c'est très clair. Nous avons des nègres qui mettent maintenant qu'ils ont. Mais nous ne pouvons pas la corruption. Parce que la corruption, il y a toute la rue. Et dans toute manifestation, les gens ont bon menti pour rien. Donc, la corruption là tout le temps. Parce que les gens ont parlé de la corruption et dans l'État. Mais ce n'est pas grave. Bon, on l'État qui n'a pas de règles. Je dis, on vient, on doit payer tel bail pour faire. Dès qu'on vient, on doit l'autre bail pour faire. Je dis, on vient, on doit payer les taxes. Dès qu'on doit payer l'autre taxe. Bon, quand on regarde, mais il y a un problème. Donc, on l'État comme ça, corruption. La danse sont gangrène. Yeah. Donc, il faut opposer le problème de la corruption. Le problème de la mentalité nous, et la corruption. Regardez, les Dominicains font une bonne manifestation. Mais les bandes de Capici font une bonne manifestation contre la corruption. Mais on pas arrivé à faire. Quand on a fait nous poser des questions, ça passe. Mais la corruption, non. Et puisque ça, Dominicains. Ouais. Pour qui ça nous passe. Mais j'en dis, nous pouvons arriver. Oui, puisque. Et pour moi, l'autre dit pour qu'on arrive, ouais, c'est que nous pouvons rentrer dans la filière. Oui, dans le détail de la corruption. Dans le détail là, et puis c'est le ça pour nous. Nous, juste à dire Petro-Caribé. Oui. Mais Petro-Caribé, c'est un bagage dans la corruption. Par exemple, soit là, par exemple, mais comme si, bon, nous-mêmes comme journalistes, bon, si nous avons moyens, si nous avons compétences, nous descendons nos ministères, ils font étude sur la corruption. Mettez-nous dehors. Non, mais il faut rappeler ça ou pas qu'on est. Parce que c'est un journaliste ou qu'on a fait recherche ça ou pas qu'on est. Par exemple, je regarde mon bar et ma boule. Regardez les misons, on dit que vous avez un cap dans le DGI par exemple. Oui. Regardez toutes les misons passées pour arriver dans un bureau que vous allez payer, soit vous faites n'importe bureau de l'État. Non, mais on paye un service qu'on pas jouer dans pile fois. Ma bon bagaille. Gonde mbe avec son dans pays étranger, yo voye li à représenter Haïti. Et puis monsieur tourné, comme yo te bay là, il pas dépenser tout. Et puis tourné, il vient porter rescob là. Rescob là, il pas rien côté pour remettre.
Ça veut dire, si on a un cob, ou saute à bel côté pour un mètre, par exemple. Je ne dis pas un côté pour un mètre, non. Mais si tu as un côté pour un mètre comme là, depuis que la sortie dans l'état, elle va entrer encore. Yeah. Mais bon problème. Et ensuite, Haïti n'a pas côté nec fort comme ça. Ah oui. Léo font un projet pour y réaliser à 100%. On va dire qui n'est pas logique, c'est ou bien comme là pas arrivé, ou bien comme là trop. Trop, oui. Et nous tellement fort en Haïti, comme là, si c'est 1 million de gourdes, tout 1 million en bas. Donc, problème nous. C'est un problème complexe. Donc, moi-même, si vous voulez résumer, ben, ça, pour moi, c'est simple. Il faut refaire l'État. Et pour faire l'État, il faut intégrer la population. Par exemple, la corruption en lui-même. Il faut qu'on veille. On peut veiller la corruption. On peut quand même créer un petit comité pour surveiller la corruption dans les différents centres. Bon, maintenant, nous avons parlé de Yon Bagay. Que nous avons oublié de parler. Rapport et l'éclair qui s'applique corrompu, l'État ou la bourgeoisie. Parce que corruption, l'État pas fait seul. Non. C'est un contrat avec la bourgeoisie. Donc ça veut dire qu'on problème. Donc, soumet l'État et pour oublier la bourgeoisie. Oui, c'est pour, la même sur la terre. Et regardez des mesures que le président Tounef, pays Mexique, là, et bon, c'est vrai, monsieur Poco, prêté serment, mais il a déjà annoncé les couleurs. Et là, vous regardez, il y a des fonctionnaires qui ont des salaires qui sont supérieurs à salaire président. Moi, ouais, que faut que monsieur prend pile précaution, parce que c'est de gros intérêt que le Parlement a. Ah oui, non, mais où dit, ben là, très bien. Là, on dit comme si il y a de gros intérêt. La corruption, c'est une question politique. Il y a fusion là-dedans. Par exemple, on y a là. Par exemple, ouais, bon, il y a des hôtels qui disent que l'État haïtien fonctionne comme une mafia, comme une raquette, etc. etc. Mais si on ne pas que la raquette, il y a fusion. Il y a un mot là-dedans. Et surtout, pour les haïtiens, il y a un mot là-dedans, il y a un président, il y a un différent, car il y a un monde, il y a un ceci. Politique haïtien, c'est pas facile. Il y a des gens qui disparaissent, tu n'as pas jamais réfléchi. Bon, oui. Sur les marchés publics là. Oui, les marchés publics là. Yeah. Ça veut dire que c'est bon jouet. Et l'État n'a pas jamais eu de soucis pour faire lumière sur le cas ça. Ouais, oui. Eh bien, c'est l'État qui fait bien là même. Tout ça, on parle de l'État. Mais, il y a bon monde qui est en dehors de l'État, qui est plus fort parce que l'État. Oui. Non, mais c'est ça que je dis, c'est que quelqu'un va payer à gagner pour l'État. L'un des gars qui a été président. C'est mettre le pays qui décide qui est-ce qui prend le président. Oui, bien, vous comprenez. Donc, toute élection, pour l'élection faite de telle manière que les qui populaire pas passer. Et c'est les qui veulent passer avec pour passer. Et ça peut être bien pire dans le Haïti, j'ai l'impression, parce que je ne suis pas sûr, que l'étranger me lave pour faire ça. Ah, oui. Mais donc, on député dans la zone, il était 4 heures de l'après-midi. C'était ministre Akrelil pour faire le compliment pour dire là où passer dans l'élection. Les ouais. Résultats pour le combat. Ah bah. Donc c'est là, dans notre pays, ça. Là, ouais. Okay. Non, mais, bon, on entre avec le ministre. Mais le combat, nous voyons, mais tu dis, qui est le ministre qui vient jouer en Haïti? C'est stabilisé. Ah oui, mais ça c'est le qui stabilisé qui ça? Mais qui est le réel? Oui, mais il faut qu'on stabilise qui ça? Non, d'abord, le ministre est entré son menti. Il est entré, son pays qui n'a pas fait la guerre civile. Il vient dans le temps pour empêcher la valasse bataille de Philippe. Bah, c'est ça. C'est ton blague. Son blague est inventé pour descendre. Donc depuis là, au point non bagaille. Donc, et puis, au fur et à mesure, j'ai l'impression que le ministre a battu pour contrôler la politique haïtienne, mais il n'est pas arrivé. Et pour moi, il est parti. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas voulu changer la classe politique là tout? Non, mais il n'est pas arrivé. Fait. Oui. Parce que, il y a un autre Canadien qui est comme ça. Il dit le ministre entre en Haïti, le peuple a fait comme si le ministre n'a pas de place. Pas de monde, il n'y a pas problème pour les ministres. Personne ne va inviter le ministre à la CAIO, personne ne va faire ceci. Et que le ministre n'a pas qu'à jouer sur la réalité à vous.
Et puis il dit, peuple haïtien, son peuple trop intelligent. Si vous avez des fonds d'Haïti, c'est pour occuper le pays directement. Après, occuper le ça pas marche en Haïti. Parce que le peuple est trop intelligent. Et c'est une bagaille peut-être que nous pas jamais gardé dans la politique. Là, oui. Moi-même, je pense à mon bagaille pour ce qu'on l'intelligence peuple. Tu vas aller mettre au pouvoir classe moyenne, bourgeoisie, bataille du Valais. Peuple a entré dans la bataille là. Dans Gonaïve, en novembre, en février, au janvier. Je veux que le peuple a les gens qui ont fait politique intuitivement. Les garder les fruits à Il paraît pour le tomber. Il paraît pour tomber l'entrée sur eux. Et c'est même là, où est là, par exemple, si nous prenons la passe en juillet, mais tu as une bonne bataille déjà dans mes temps pour voir. J'ai le premier ministre aller, la chambre des députés après. Yes. Et puis, c'est dans la conjoncture, il y a un problème entre la police. Exécutif. Et puis, c'est dans le contexte que le peuple a entré. Donc, c'est dire que ils ont profité de faiblesse. Yo. Parce que y a un travail qui est difficile. C'est qu'on est. Ou qu'on est à pas le mais pas contre qui est. Parce que ça, c'est même bien. Oui, mais est-ce que mon arrivé a une capacité pour antagoniser les choses? Ah, ça, je ne pas répondre à ça. Et bien, ça, c'est un phénomène qui est intéressant depuis la révolte de 1791. Comment tout esclave fait les bons matins et puis brûler toute tentation. Ça ne va pas vous. Si on bagaille comme si, sous le fait une analyse fine pour comprendre ça, on ne peut pas faire ni passer. On peut faire des hypothèses. Yeah. Puisque ensuite, pour qui ça c'est ces hommes seulement, ça fait des esclaves tout partout. L'on dit c'est esclave, c'est Kalio, Tap Kalio, Mounio, Mounio. Oui, mais c'est toujours des conditions ça qui existent, tout côté gagné. Non seulement, il existe longtemps tout. Depuis l'esclave, il a commencé. Mais pour que c'est juste ça même, c'est la difficulté de faire l'histoire. Je veux une véritable cause au phénomène. C'est même bien là. Et le gouvernement, il a fait là. Et c'est comme si, il prend un jouet que c'est le premier ministre qui est responsable de la crise, il veut aller. Mais si c'était gasoline là, que le premier ministre a été l'autre là, qui fait la crise, les a retiré. Mais là, ça fini. Et pour qu'il n'a pas fini. Et dans le moment où on a parlé, il faut qu'on finisse. Mais c'est ça. C'est que nous avons refusé de poser problème là. Mais si le gouvernement veut qu'il faut l'attaquer pour problème de base. Parce que si c'est ça, il y a un gouvernement capable de diriger par les nationales, capable de payer en payer l'État, et puis un gouvernement là, qui n'a aucun rapport avec le pays réel. Et pour moi, c'est vers ça qu'on a parlé. Mais là, on n'a pas l'impression que gagne le son que le responsable a tiré. Ah oui, mais il n'y a pas qu'à tirer le son. Hein? Parce que si on tire le son, il faut avaler. Ou bien, ils font l'autre politique, c'est du cas gagne. Si on tire le son, c'est pour changer l'orientation du gouvernement. C'est ou bien on change lui-même. Et si on dit, je ne vais pas entrer dans le bazar, c'est l'autre secteur pour faire. Donc c'est ça qui fait que le gouvernement a pris nos bagages qui sont difficiles pour sortir. Parce que sortir, il suppose une autre politique. Et puis, où ils ont senti ça, mais ils n'ont pas qu'à entrer là dans le bruit réellement. Les abdos, ils n'ont pas laissé faire un consensus, les plusieurs monde. Et c'est très ça, Bédi, ils ont même seul, ils n'ont pas qu'à diriger. Mm. Mais ils n'ont pas qu'à faire ouverture en même temps. Oui, mais est-ce et ouverture difficile. Est-ce que l'autre a essayé d'entrer dans le gouvernement? Oui, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais là, où sentit ton professeur que le problème qui t'a censé comme si l'antigen indigné mon nom toujours. Toujours été. Face, parce que oui. Toujours comme si qui a arrogance. De mon capital et des richesses ou bien fait des. Donc. Oui, mais ça n'est pas étonnant. Par exemple, c'est même là. Les
Ribon des esclaves la pété. Ben, on saisit. Même là, je saisis ça qui passe ici, c'est bien. Je pas supposé ça. Mais tout le monde voit ça d'abîme. Oui, mais on a l'impression qu'on a que le Parlement est en ligne de mire. Oui, mais regardez bien. Nous avons un problème devant vous. Tant pour entendre, vous résolvez le problème là. Il y a une bataille pour poste. Bon, ouais. Donc, c'est comme si son bon ex, son bon inconscient. Pas que personne qui a dit, bon, monsieur, ah, j'ai nous là, nous ne pouvons pas battre entre nous encore, non. Il faut entendre nous. Parce que si nous ne pas entendre, nous sommes perdus. Mm. Mais ce so qu'on dit là, il n'y a pas, ouais. Qu'on a ça qui fait, mais j'ai eu là. C'est ça qu'on a pour analyser. Oui, mais là, c'est un bel débat dans le cas, ça, professeur, parce que. Goumen pou poste là, il est toujours là. Prochain gouvernement n'a pas pour porter grand chose, sinon. Non, mais. Oui, mais. Pour te faire grand chose, pour ta premier bail pour la paix, pour t'entendre, même si. Je m'appelle l'avocat du diable, même si vous n'avez pas voulu entendre avec Samuel et l'opposition, pas comme ça. Mais, vous avez pris un programme d'opposition, vous entrez dans le programme. Et puis, quand vous avez supposé, l'opposition a mis un jour. Bon, c'est politique, ce n'est pas possible. Vous avez un gouvernement qui prend un projet l'opposition, et puis qui fait ça à l'opposition de TPA, et puis le coup, il en bas de l'opposition, et puis l'opposition a disparu. Disparu, oui. Mais ça, on a fait politique, mais sous l'opposition, hein, c'est vous qui avez mis les gens dans la rue, c'est vous qui avez fait ceci, tout ça fait pas de sens, etc. Ouais. Mais vous avez l'impression tout, parce qu'il ne faut pas oublier le professeur pour gagner l'élection. Donc, il faut que M. Damioré ait l'élu tête. Il y a l'élu tête là, ça veut dire qu'il faut que vous ayez un moyen. Parce que l'élection, c'est un bail qui coûte un paquet de l'argent. Oui, quel, tout quel, temps pas gagné. Oui, mais son mépris de la population, ça y est. Son pouvoir avec Gourin là. Son pouvoir avec. Ça me dit comment ce bail là. Qui pas ouais, ça a passé devant. Et pour moi, c'est ça qui est central dans la crise là. Ou bon pouvoir, qui ça a passé à, les refuser. Et que les binans les nets. Ouais, même quand c'est un tiré peut-être négro, ça nourrit la petite bourgeoisie. Et que pour survivre, faut qu'on paye à s'en améliorer. L'irrité. Bon, là, on va mettre en bout. Et dans l'émission aujourd'hui, hein, professeur Roger Petitfrère, c'était vraiment un plaisir pour nous de gagner sur le plateau rond-point. Souhaitez, c'est pas la dernière fois, professeur. Oui, bon, je souhaitais peut-être que nous abordions certains problèmes pour la société. Yeah. Dans ce sens, la radio Christe a joué un rôle. Yeah. Et nous-mêmes, tout. Nous souhaitons te servir en bagaille. Oui, que c'est en bagaille. Bon. Yeah. Bon, merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission Rond Point Magazine Sage, nous connaissons, qui commentait et puis analysait l'actualité avec invité. Bye bye tout le monde. Nous cassons rendez-vous pour le prochain numéro.